Qu'est-ce qui fait rouler nos voitures? Pourquoi pouvons-nous profiter d'un appartement chaud en hiver? Pourquoi une immense usine peut-elle fonctionner sans cesse à grande vitesse? Tout dépend de l'énergie. Aujourd'hui, nous vous emmenons dans un domaine jamais vu pour vous montrer comment l'énergie peut promouvoir le développement économique rapide de la Chine. Face aux énormes pressions environnementales, comment la Chine s'organise-t-elle? Dans le désert de Gobi, au nord-ouest de la Chine, un groupe de personnes est en train de travailler sérieusement. Leur but est de trouver une énergie gigantesque enfouie dans ce désert. Yuan Rechang est un ingénieur avec 37 ans d'expérience dans le dynamitage. Aujourd'hui, il va faire exploser une roche de 38 mètres d'épaisseur, ayant la dimension de 5 terrains de football, en utilisant 1418 tonnes d'explosifs. Les fragments qui seront projetés devront atterrir à un endroit prévu par la force de dynamitage. Le premier problème pour M. Yuan, c'est que ces 1418 tonnes d'explosifs ne peuvent pas exploser en même temps. Sinon, les ondes sismiques créées seraient ravageuses. La seule solution est de faire exploser ces explosifs de plus de 1400 tonnes dans l'ordre. Le dynamitage consiste en 781 trous prévus pour les charges explosives. Selon la direction de lancement, ces trous seront divisés en 12 groupes. L'intervalle de temps de ces groupes est limité au centième de seconde. Pour atteindre son objectif, cette méthode est indispensable pour l'équipe de dynamitage. Voici le détonateur électronique. Son avantage réside dans sa capacité de contrôle avec précision du temps d'allumage. L'encodeur peut assurer un contrôle en millisecondes sur des milliers de détonateurs électroniques. L'intervalle de dynamitage est fixé à 8 millisecondes. À 16h cet après-midi, l'effet de dynamitage apparaîtra en une seconde. L'histoire racontée aujourd'hui se passe en Chine. Au bord aride des terres du désert, des milliards de dollars d'équipements ont été investis par la Chine pour obtenir cela. Le charbon produit ici a une très faible teneur en soufre et émet une faible pollution après combustion. En même temps, sa valeur de combustion est élevée. C'est un charbon rare de haute qualité. Aujourd'hui, le charbon reste la principale énergie pour la société humaine. Plus de la moitié de l'énergie pour le développement économique en Chine provient du charbon. C'est l'une des mines géantes à ciel ouvert que les Chinois exploitent. Ici, non seulement le charbon est de bonne qualité, mais aussi le gisement de charbon est étonnamment épais. Sur Terre, un gisement d'une épaisseur de 15 mètres est considéré comme extrêmement épais. Mais l'épaisseur de celui-ci est de près de 30 mètres. Bien sûr, afin d'obtenir du charbon précieux, la roche supérieure doit être enlevée. Avant de recevoir l'ordre officiel de détonation, l'équipe de dynamitage a effectué un test final sur le circuit des détonateurs électriques à travers l'encodeur. Vers 16h, l'ensemble des équipements, qui coûtent des milliards de dollars, de la zone minière, ont tous été déménagés vers la zone de sécurité. «
好的。对，可是起飞吧，我弟。8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1，起飞。Comme d'habitude, Yuan Rochon est allé seul à la zone de dynamitage pour l'inspection. Monsieur Yuan semble satisfait de l'effet de dynamitage d'aujourd'hui. Une fois les pierres concassées enlevées, une nouvelle couche de charbon apparaîtra. Une demi-heure plus tard, la fumée s'est dispersée. La zone minière reprend ses activités. Dans cette grande vallée artificielle, la production quotidienne de charbon dépasse les 100 000 tonnes. Cette quantité peut produire suffisamment d'énergie pour la consommation continue d'une famille durant 10 000 ans. Si l'on multiplie cette production par 100, on obtient la quantité totale de charbon exploité en un jour en Chine. En Chine, le charbon joue un rôle crucial dans la structure énergétique. Par conséquent, l'utilisation scientifique du charbon est particulièrement importante. L'un des moyens les plus efficaces consiste à construire des centrales à grande échelle autour du bassin minier afin de réduire la consommation liée au transport et faciliter le contrôle centralisé de la pollution. La réserve de charbon dans l'ouest de la Chine est abondante. Mais le temps est aride et sec toute l'année dans cette région. Le refroidissement des centrales est devenu un sérieux problème. Zhang Wenlong est responsable du département de maintenance de l'équipement. Il a un entretien spécial à réaliser aujourd'hui, qui n'existe pas dans les centrales thermiques conventionnelles. La construction des centrales thermiques dans la région du Gobi était considérée impossible dans le passé. Les centrales thermiques traditionnelles ne fonctionnent pas sans un apport de grand volume d'eau pour le refroidissement par évaporation. Plus la puissance est grande, plus le volume d'eau consommé est important. Cependant, dans le désert de Gobi, l'eau est rare. Les Chinois ont déjà commencé à installer de grandes centrales thermiques dans le désert de Gobi parce qu'ils ont déjà leur propre solution. Voici le secret, la tour passive de refroidissement à l'air qui ne consomme pas d'eau. Par l'effet de cheminée, à travers la tour, l'air à la température ambiante aspiré au fond de la tour de refroidissement peut porter la chaleur sur les dissipateurs de chaleur. Zhang Wenlong doit maintenir la propreté des dissipateurs de chaleur. Il doit nettoyer près de 1 million de mètres carrés de dissipateurs de chaleur tout en utilisant un minimum d'eau. Afin de parvenir à un effet de refroidissement suffisant, les dissipateurs de chaleur sont installés en V. La surface totale des 132 dissipateurs est de 970 000 m². Ce type de tour de refroidissement passive
n'a plus besoin d'une grande quantité d'eau de refroidissement, ce qui permet la construction de grandes centrales dans la région du Gobi. Dans l'est de la Chine, près de 70% de la population du pays et plus de 80% des activités économiques sont rassemblées. Cependant, la plus grande partie de l'énergie destinée aux activités économiques est enfouie sous la terre des régions de l'Ouest, à des milliers de kilomètres. Le transport d'énergie interrégional est un problème persistant pour la Chine. Les Chinois ont envisagé de construire des centrales électriques à grande échelle autour des bassins miniers dans l'Ouest, afin de convertir le charbon en électricité et puis la transporter vers l'Est à des milliers de kilomètres. Il s'agit du transfert d'énergie à la plus grande étendue dans l'histoire de l'humanité. Aujourd'hui, ce méga-projet est entré dans une toute nouvelle phase. L'installation des fils de la ligne de transmission à la plus haute tension au monde a commencé. En bas de la tour 323, le groupe de connexion en hauteur est prêt à commencer les opérations de connexion aérienne des fils. Voici la ligne de transmission dont la tension est la plus haute au monde et dont la distance est la plus longue. À partir du bassin de Junggar, dans l'ouest de la Chine, elle s'étend sur 3324 km à travers divers terrains, tels que des déserts, montagnes et vallées, avant d'atteindre les provinces peuplées de l'est de la Chine. En 8 ans, les Chinois ont construit plus de 30 000 km de lignes à haute tension et le plus grand système de transfert d'énergie dans le monde. La meilleure façon de rendre ce système plus efficace est de tout faire pour élever la tension. Cette ligne à haute tension de 1,1 million de volts est actuellement la ligne à la plus haute tension au monde. Ce qui équivaut à livrer en équivalent énergie plus de 80 000 tonnes de charbon par jour sur une distance de 3 000 km. Pour assurer une bonne transmission, il faut d'abord garantir que plus de 20 000 connecteurs sur la ligne soient parfaitement connectés. Les fils sont sertis pour la connexion. Tout d'abord, il faut décoller la bande d'aluminium extérieur pour faire apparaître le câble d'acier à l'intérieur. Ensuite, il faut insérer le câble en acier aux deux extrémités dans le manchon métallique. Enfin, il faut presser le boîtier métallique avec une machine hydraulique. Ainsi, les deux câbles d'acier sont fermement maintenus ensemble. Une fois le sertissage interne terminé, il faut répéter cette procédure avec une grande bague pour terminer la connexion du fil d'aluminium à l'extérieur. Le processus de sertissage ne semble pas compliqué. Mais opérer à 100 mètres du sol est une autre chose. Avant de faire la connexion en l'air, il faut temporairement saisir deux extrémités cassées du fil. On ne doit absolument pas détruire la surface du fil, tout en assurant une résistance de plus de 5 tonnes de tension. Pour résoudre le problème, on doit compter sur ce préhenseur. Il faut mettre le fil dans le fil.
它那个挂线的张力达到了十吨以上。好了，绳子再开一点，绳子再点力，好啊，绳子再点力啊。你慢一点啊，保持这个速度啊。La procédure de sertissage est identique à celle au sol. La seule différence réside dans le fait que toutes les opérations se font en l'air et en mouvement. Dans 6 mois, cette ligne de 3324 km sera entièrement installée. Et ce n'est qu'un début. Sur le territoire chinois, un certain nombre de canaux de transmission d'énergie de même niveau sont déjà en cours de planification. Au début novembre, sur la mer du sud de la Chine, un bateau tout neuf de travaux est stationné à côté d'une île depuis 3 jours. La mer est calme, mais le capitaine, Jin Ruizhen, reste anxieux. Différent des autres navires qui ne souhaitent pas rencontrer de tempête, celui-ci attend avec impatience le déferlement des vents. Il s'agit d'un navire de travaux pélagiques. Les Chinois ont dépensé près de 200 millions de dollars pour sa construction. Ses capacités sont incomparables en haute mer. La zone maritime chinoise est l'une des régions les plus influencées par le courant du Pacifique occidental. Dans le passé, des opérations subtiles ne pouvaient pas être réalisées dans les profondeurs de la mer car les plongeurs ne pouvaient pas atteindre les zones clés. Ce navire semble être né pour faire face à ce type de défi. Afin de tester la capacité du nouveau navire de travailler dans des conditions de mer difficiles, la première tâche du capitaine Jin est de trouver une tempête de niveau suffisante. Dans le passé, il était très difficile pour la Chine de développer des ressources pétrolières et gazières dans les eaux profondes. L'apparition de ce nouveau navire pourra largement changer la situation, tant que ses meilleurs outils soient dans la mesure de jouer un rôle important dans son efficacité. Dans la zone d'essai prévue, la tempête n'est pas apparue. Monsieur Jin doit retrouver un emplacement idéal. Selon les dernières prévisions de l'état de la mer, le capitaine et le navigateur ont choisi une nouvelle zone maritime. Après une nuit de navigation, le navire de travaux est arrivé à la zone d'essai sélectionnée. Ici, la tempête est finalement apparue. L'essai peut immédiatement commencer. Le principe de l'opération exacte dans l'océan est la précision et la stabilité de la levée des équipements sous-marins. Afin d'atteindre ces objectifs, en premier lieu, le navire de travaux doit rester stable. Face au courant, en mouvement constant, pour réussir, le secret se trouve dans l'eau. Voici l'équipement unique des navires modernes de génie maritime, le système de compensation de puissance. Lorsque les vagues génèrent une poussée sur le navire, ce système peut instantanément activer les propulseurs correspondants pour neutraliser la poussée des vagues. En conséquence, le bateau restera à sa position d'origine. Cependant, ce système ne peut pas résoudre tous les problèmes. Il devient impuissant quand le navire est violemment poussé de haut en bas par la mer. Heureusement, ce nouveau bateau possède sa propre arme unique, la plus grande grue de compensation automatique de plongement profond. La cascade de la grue est un système de compensation automatique de mouvement vertical ultra puissant.
Concrètement, dans les vagues, elle peut soulever des poids de 400 tonnes. Lorsque la coque monte et descend violemment, les grues peuvent automatiquement détecter la direction du mouvement et la vitesse, réagir instantanément, contrecarrer le mouvement de la coque à travers l'action combinée du câble rétractable et de la flèche pivotante, afin de s'assurer que l'équipement dans l'eau soit stationnaire. Afin de saisir cette condition de mer rare, le travail de test doit se faire pendant la nuit. L'image, transmise par la caméra sous-marine, montre que la boîte test d'un poids de 400 tonnes a seulement subi une légère secousse face à une énorme poussée venant du dessous. Cette secousse est largement contrôlable. C'est un résultat satisfaisant pour tous les ingénieurs. Avec le progrès des technologies de travaux en eau profonde, la capacité de l'humanité pour extraire des ressources océaniques a fait un autre pas en avant. Cependant, dans ces profondeurs de l'océan, on y retrouve beaucoup plus d'énergie que nous n'avons jamais imaginé. Le 9 juillet 2017, la dernière équipe d'essai quittera l'aéroport et se rendra sur la plateforme en mer. Aujourd'hui, ils vont être témoins d'un moment historique important. Deux heures plus tard, l'hélicoptère a atteint la destination finale du voyage. Baleine Bleu 1, la plus grande plateforme en mer profonde du monde. Elle est tranquillement restée dans cette zone de mer pendant des mois. Par les flammes émises, on peut juger que Baleine Bleu 1 est en train de travailler sous l'horizon de la mer. La flamme du feu ne semble pas spéciale, mais cette fois son énergie provient d'une substance spéciale. Ce que l'équipe de recherche sur Baleine Bleu 1 fait est un essai d'exploration énergétique qui a attiré l'attention du monde. Il y a longtemps, les humains ont découvert des hydrates de méthane, communément connus sous le nom de glace combustible. Leur réserve est la plus grande parmi les énergies fossiles sur Terre. Dans le futur, celui qui maîtrisera la technologie de développement énergétique changera le modèle énergétique du monde. Cependant, la grande majorité des hydrates de méthane sont stockés dans les fonds marins, mélangés avec des sédiments. Jusqu'à présent, les humains n'ont pas encore totalement maîtrisé la technologie minière d'extraction. Le contrôle durable est le problème principal de l'extraction d'hydrates de méthane. Auparavant, l'exploitation continue de la glace combustible ne pouvait durer que 12 jours. Cette fois, l'équipe de recherche scientifique chinoise a fait une percée décisive dans le domaine du contrôle durable. Aujourd'hui, c'est déjà le 60e jour d'exploitation minière continue. Un tout nouveau record du monde est né. Pendant ces 60 jours, l'équipe a obtenu assez de données de test. Ils ont donc décidé de prendre l'initiative d'arrêter l'acquisition des données. À 14h52, les ingénieurs ont fermé la vanne, le test est passé à l'étape suivante. Les résultats d'exploration actuelle montrent que les réserves d'hydrates de méthane sur Terre
dépasse toute autre source d'énergie fossile. Le progrès de la technologie minière apportera un impact profond sur l'avenir de l'utilisation de l'énergie des êtres humains. Avec le développement économique rapide de la Chine, la demande en énergie va continuer d'augmenter. Une dépendance totale aux énergies fossiles traditionnelles entraînerait une énorme pression environnementale. Les Chinois savent depuis longtemps qu'il est nécessaire d'augmenter le plus possible la proportion d'énergie propre dans la structure énergétique. Aujourd'hui, de tels efforts ont commencé à porter leurs fruits. Dans le domaine de l'utilisation de l'énergie hydraulique, les Chinois sont une fois de plus à la première place mondiale. Ce qui est en construction ici est le premier niveau des quatre centrales hydrauliques en cascade à l'amont du fleuve Yangtze, la centrale de Hudongde. L'espace dans la montagne pour abriter les unités hydroélectriques géantes a été fouillé. Maintenant, c'est le stade crucial de déversement de digues. À la fin du mois de juin 2017, sur le site du déversement de digues, cette région sèche et chaude a accueilli une pluie continue très rare. C'est une mauvaise nouvelle pour Yanning, l'ingénieur responsable du déversement de la digue. Les Chinois vont déverser ici un barrage en béton sans fissure. Dans l'industrie de la construction, le craquage du béton est reconnu comme un problème technique difficile. Le béton, dans de grandes dimensions, provoque des fissurations plus graves. Pour la construction du barrage, il y avait un leitmotiv. Pas de barrage n'a pas de fissuration. Le volume du béton coulé dans le barrage de Hudongde s'élève à 2,9 millions de mètres cubes. Cela forme un mur de béton d'une hauteur de 275 mètres, d'une épaisseur maximale de 51 mètres et d'une épaisseur minimale de 12 mètres. Ici, toute légère fissure peut rendre la structure incapable de supporter une pression d'eau s'élevant à 270 mètres. L'enjeu de la technologie de construction de barrages sans fissure est le contrôle continu du système. Il faut éviter toute interruption pendant les 33 mois de déversement. L'ingénieur, M. Yang, est obligé de résoudre rapidement l'arrêt provoqué par la pluie.